Bonjour tout le monde, c'est SULCH3 Salchi. Alors aujourd'hui, on va faire un beat type Damso, Halloween Trap. Minifin. Sorofin. Omega. Fin ou fin? Il s'est roubé fin, non? Manka, Ricard. Omega. Omega. Sans plus tarder, nous allons commencer par un Nexus. Le premier Nexus que j'ai ajouté est un plug nommé Amsterdam High Plug dans le pack XP Melo 1. Elle donne ceci. Le deuxième Nexus est un Average Trap Bell dans le même pack XP Melo 1. Et elle donne ceci. Le troisième instrument virtuel que j'ai ajouté est un hypersonique. Et j'ai utilisé le preset Digital Shore dans le pack vocal. Il donne ceci. Et voici en gros les mélodies. Et maintenant, nous passons aux drums. La première percussion que j'ai ajoutée est un Dark Snare and Clap, OO23. Elle donne ceci. Il n'y a pas de variation de rythme sur ce snare, un rythme constant. Passons à un voice que j'ai ajouté. Le Dark Voice OOO2. Il donne ceci. Puis après, j'ai ajouté le kick. Le Dark Kick 10. Il donne ceci. Le kick sonne vraiment fort et a la bonne résonance. Allons voir dans la table de mixage l'effet qui a été appliqué au kick. Vous aurez remarqué que dans la plupart de mes tutos, je parle longtemps du traitement du kick. Il faut savoir que les autres percussions ont leur traitement aussi, mais le traitement du kick sort vraiment du lot. Ici, le kick se trouve sur la piste 11. J'ai appliqué comme d'habitude une compression parallèle. Sans la compression parallèle, voyons comment le kick sonne. Avec la compression parallèle, grosse différence. Comme d'habitude, j'ai envoyé le signal du kick dans une piste et dans une autre piste. J'ai envoyé le signal audio du kick dans deux pistes différentes. Et ces deux pistes vont passer par une seule piste, output. Sur le kick, j'ai appliqué un traitement basique, un EQ, avec un high cut, c'est-à-dire que je me débarrasse des hautes fréquences. Puis un soft clipper pour venir chercher le fond du kick et le booster. Un friture compresseur avec les paramètres suivants. Un threshold à moins 2 décibels, une attaque très rapide, 0 millisecondes, un ratio à 4.01, un relâchement à 200 millisecondes et un gain de réduction de 5,2 décibels avec le type hard. Puis j'ai envoyé le signal du kick dans une première piste. J'ai appliqué une compression sur cette première piste avec les paramètres suivants. Puis j'ai envoyé le signal du kick dans une deuxième piste
Et sur cette deuxième piste, j'ai appliqué une compression de type hard, vraiment dur. Le threshold est vraiment bas, moins 9,1 décibels. L'attaque à 0 millisecondes. Le ratio à 4.01 comme d'hab. Un relâchement à 200 millisecondes. Et un gain de réduction à 2,4. Cette deuxième piste de kick va venir booster la première piste de kick pour donner plus de profondeur, plus de résonance au kick sans pour autant dépasser les 0 décibels du master. Puis j'ai pris le signal des deux kicks, je les ai envoyés dans une dernière piste output. Et sur cette piste, j'ai appliqué une compression dont les paramètres sont les suivants. Et un EQ avec un high cut, un low cut et un boost vers les 277 Hz. Ce kick va passer par le master directement, puis un deuxième signal en sidechain. On va en arriver. En gros, le kick sonne comme ça. Et j'ai ajouté un hi-hat qui donne ceci. Puis j'ai ajouté un 08, c'est-à-dire un 808 en français. La résonance de ce 08 est la suivante. Vous allez constater que la courbe de résonance n'est pas statique, c'est-à-dire qu'elle est dynamique. Elle monte et elle redescend. Je n'ai pas besoin de cette dynamique de courbe de résonance dans mon instru. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé dans le 808. J'ai fait un clic droit et j'ai cliqué sur Edit. Puis ça m'a ramené vers le signal du 808 dans le Edison. Alors pour pallier ce problème de dynamique de courbe de résonance, je suis venu directement dans une partie particulière du 808. J'ai pris une partie qui reste statique, une seule partie, pour créer un loop. J'ai sélectionné les deux parties, ces deux parties, ici. Et ici. Puis j'ai fait Tune Loop, Sit as Loop. Directement, ça transforme le signal de mon 808 en un seul signal loopé. Et mon 808 passe de ça à ça. Très grosse différence. De ce fait, mon 808 va résonner comme ça. Vous allez remarquer qu'il y a des jeux de variation de pitch. On le fait avec le slide. Qu'est-ce que le slide? Remarquez le signal en bas du kick. L'effet qui crée ça est juste la note appliquée ici en haut. Tu fais double-clic sur la note. Tu coches sur le slide. Et tu fais accept. Si tu veux, tu peux diminuer la durée du slide ou l'augmenter. Ça dépend de la manière dont tu veux slider le 808. Et j'ai appliqué cette même méthode sur les autres notes ici et ici. Passons au traitement du 808. Mon 808 se trouve sur la piste 19. Comme avec le kick, j'ai appliqué la même méthode de compression parallèle. Je l'envoie sur une piste et je l'envoie sur une autre piste. Et les deux pistes sortent par une seule piste output. Le traitement basique, un EQ, un soft clipper, un compresseur. Sur la première piste, aucun traitement. Sur la deuxième piste, un compresseur de type hard. Un soundgoodizer pour booster le fond du kick encore. Puis ces deux pistes passent par une dernière piste output, que voilà. Et sur cette piste, j'ai appliqué une compression, un EQ en dernière position, pour me débarrasser de certaines fréquences aux alentours des
110 Hz et 53 Hz. Puis j'ai appliqué un limiteur avec une fonction sidechain. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, j'ai sidechainé le kick au 808. Si vous venez ici, dans le cadran sidechain, vous allez voir que en clic droit, j'ai sidechainé la piste 14, la piste sur laquelle le signal audio de mon kick passe. Voici le signal audio output principal de mon kick. Cette piste passe par le master, puis après elle passe par la piste sidechainée au 808. Et sur ce sidechain, j'ai appliqué les paramètres suivants. Donc si on met le kick et le 808 en même temps, voyez ce que ça donne. Ce système de sidechain du limiteur permet seulement de dire au logiciel, lorsque le kick et le 808 résonnent en même temps, donnez la place au kick de bien résonner, de prendre de la place sur le 808. De ce fait, le 808 diminue lorsque le kick sonne et après augmente lorsque le signal audio du kick disparaît. Ceci permet au kick de résonner à 100% de son potentiel. Donc, si nous rassemblons tous ces éléments dans la playlist et qu'on les structure, ça donne ceci. Minifin. Sorofin. Omega. Fin ou fin. Isérobefin, non. Manka Ricard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!